Mesdemoiselles, messieurs, amis sportifs, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Weekend, un Sport Weekend qui va être consacré essentiellement au football et pour cause. Et puis, puisque dans ce numéro, nous allons recevoir le porte-parole de la fédération, monsieur Saleh Bey Aboud, qui nous a fait le plaisir, eh bien, de répondre à notre invitation au sommaire de cette émission, bien sûr, la qualification des clubs algériens en Coupe d'Afrique. Et puis, nous parlerons de Ligue 1 et de tout le programme. Mais bien sûr, nous allons revenir sur l'effet important de l'année 2020, même si c'est vrai que la COVID-19 aura imprégné eh bien, le monde entier et aura bien sûr stoppé l'évolution. Mais on va dire qu'elle n'aura pas altéré l'évolution de notre équipe nationale, puisqu'on va parler de l'équipe nationale essentiellement dans la première partie. Alors, Saleh Bey Aboud, merci d'être là. Marhaba bik. Salam alaikum, bonsoir Ismail, bonsoir Samir. Voilà. Très heureux d'être avec vous Voilà, le plaisir est dans la pour ville de nous. mes origines. Voilà, justement, j'allais dire, où est-ce que je suis Voilà, Bah, il c'est était bien. temps de faire un tour pour se ressourcer un peu, quand même. Voilà. C'est vrai qu'une visite à Constantine s'est imposée depuis longtemps. C'est Pour vrai. nous accompagner, bien sûr, Samir Hamdi, qui est notre consultant. Marhaba bik, Samir. Ismail. Alors, d'emblée, eh bien, d'abord, bien sûr, une année 2020 qui était un peu spéciale, Très spécial. très très spéciale pour tout le monde, on va dire. Mais bien sûr, mais la particularité, c'est que d'abord, au niveau fédéral, il a fallu gérer et l'arrêt et la reprise, ça n'a pas dû être très facile. Ben, c'est clair, ça a été une année très très épouvante hein, pour tout le monde d'abord. Et puis je saisis l'occasion, l'opportunité de la pandémie, mais pour la fédération, ça a été dur quand même. Ça a été dur tout d'abord par rapport à l'arrêt brusque des activités, et donc il fallait gérer La tout gestion de cela. cet arrêt. Au départ, c'est vrai que la fédération voulait espérer, souhaiter à ce que la compétition reprenne pour terminer tous les championnats, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu un bureau fédéral au mois d'avril qui a décidé de la reprise. Et il a dû attendre jusqu'au début du mois de juillet. Et une fois que les autorités sanitaires ont décidé autrement, donc il fallait passer à un plan B. Et donc il fallait arrêter la compétition. Il fallait désigner ou pas un champion avec toutes les formules. Toutes les... Là, Et c'est ça a vraiment été un une autre autre. débat. Ça a été, Oui, bon. ça a dû être très difficile, parce que, déjà pour déterminer ceux qui ont les lauréats de l'année Tout passée, à mais fait. aussi comment gérer la reprise qui a été très difficile, je pense. La particularité, c'est qu'on était en face d'une saison qui devait connaître un changement. Parce que faut pas oublier qu'en 2019, en septembre 2019, l'Assemblée générale de la Fédération générale du football avait décidé du changement du Du système système de de compétition. compétition pyramidale, donc qui devait débuter pour la saison 2020-2021. Ça n'a pas été le cas, donc il fallait trouver la parade. Je pense que ça a été trouvé, tant bien que mal. Tant bien que mal, parce Tant qu'il bien faut que dire mal. que ça n'a pas fait que des heureux, ça a fait Oui, beaucoup de bon, malheureux dans aussi. ce genre de situation, il faut être sage, il faut être vraiment avoir du recul. On pouvait pas, la fédération Contenter ne tout le pouvait pas monde, ouais. contenter tout le monde, mais disons que la majorité avait opté pour l'arrêt de la compétition et pour la façon d'attribuer et le titre et le système De de compétition. non, non, je parle de beaucoup Ah, plus d'accord, d'accession, d'accession, oui. Les voilà. modalités d'accession Tout et à de fait, tout à fait. rétrogradation, même si elle a été annulée pour la Ligue 1. Mais bon, ça veut dire que, sincèrement, la fédération s'est trouvée devant vraiment un casse-tête chinois, mais résolu. Finalement, Tant bien que résolu, mal, tant bien que mal, mais résolu. résolu. Et puis, en prenant un peu une démarche participative et démocratique, puisqu'elle a consulté tous les clubs, tous les acteurs, elle avait la possibilité, le bureau fédéral avait la possibilité de prendre une décision seule,
Mais devant une situation aussi particulière comme celle-là, donc il fallait participer à tout le monde, par respect, pour écouter tout le monde, pour avoir un avis au moins unanime. Bon, ça a marché. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle saison, on est à la 7e journée, et les Ça, choses ont l'air de se passer bien oui, normalement. ça c'est la première performance de la fédération, c'est d'avoir fait marcher. Bon, il reste que, elle s'est posée aussi le problème de la légalité, de la légitimité de la démarche, notamment pour ce qui est de la Ligue professionnelle de football, où il fallait refaire l'Assemblée générale, ce qu'on ne peut pas en temps de Covid, il fallait trouver la parade légale. Mais où en est-on encore? Parce qu'on, est-ce qu'elle agit sous votre coupe? Est-ce qu'elle est indépendante? Est-ce que Modouar agit seul ou à même? Voilà, qu'en est-il exactement? Non, déjà depuis un moment, depuis le début de la saison, donc les ligues, leur mandat c'est terminé. Donc il ne reste que les présidents pour gérer les affaires courantes. Donc la fédération a donné cette possibilité au président pour qu'il y ait quand même Une la continuité. préparation de la nouvelle saison, qui est une continuité. Donc il y a l'administration de la Ligue, de toutes les ligues nationales qui sont là, qui fonctionnent le plus normalement du monde. Mais le bureau de ligue n'existe plus puisque son mandat est terminé. Et puis la semaine dernière, la fédération avait saisi le ministère de la Jeunesse et des Sports, donc la tutelle, pour avoir la possibilité d'avoir les ligues nationales sous sa coupe. Donc le MJS a donné son accord. Et aujourd'hui, les trois ligues nationales sont sous la coupe de la Fédération algérienne de football pour la gestion des affaires courantes jusqu'à l'adoption des nouveaux statuts pour permettre à ces ligues-là de se conformer et d'organiser leurs élections et d'élire leurs nouveaux bureaux, nouveaux présidents. Très bien, donc la ligue professionnelle passe sous La l'égide ligue de la professionnelle, fédération. la C'est la ligue nouvelle qu'on doit retenir. retenir, et également la Ligue nationale de football amateur et la Ligue Amateur. interrégion. Voilà. Voilà, ça c'est pour éclairer, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit souci de légalité, mais là, maintenant, on comprend jusqu'à ce qu'il y ait une autre ligue professionnelle, Tout à parce fait. que cette ligue n'a pas de raison d'être, puisqu'elle gérait 32 clubs, maintenant on se retrouve avec 20 Exactement, clubs. avec 20 clubs. Il y avait deux ligues, maintenant il n'y en a qu'une. Donc c'était un peu spécial, il faut le dire. Oui, c'est une, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une conjoncture très très particulière. Et la FIFA et les instances du football international ont été assez souples, ont donné la possibilité d'entrevoir des solutions pratiques pour les associations, pour leur ligue, pour le football, que ce soit par rapport au système de compétition, que ce soit par rapport à l'organisation, par rapport à certaines lois du jeu qui ont changé, par exemple les cinq remplacements lors d'un match Oui, de bien sûr, football, qui ont été etc. Donc voilà, on validés. est dans une espèce de conjoncture très très spéciale où il y a eu de la souplesse, des adaptations à faire en fonction des situations, en fonction des pays, en fonction des particularités de chaque fédération. Mais jusqu'à maintenant, les choses ont l'air de plus ou moins bien marcher. La preuve, c'est que nous avons un championnat qui On est déjà à sa septième voilà, septième journée. journée. J'espère que le championnat de Ligue Voilà, 2 Ligue 2, il va va démarrer démarrer maintenant. les Voilà. 12 et 13 du mois de février. Que les autres championnats suivent, même si ça sera un peu difficile pour eux, mais avec un système de compétition adapté qui permettra à tout le monde de jouer C'est et de surtout terminer ça. la saison afin de permettre une reprise dans des conditions plus normales à partir de la saison 2020, plutôt 2021-2022. 2021-2022. Samuel, peut-être avant de passer à l'équipe de salle, peut-être vous avez une question sur Non, il ça, a fait le non? tour Très de bien. la Alors, on va différence. passer à l'équipe nationale, puisque l'équipe nationale est quand même le sujet d'actualité. C'est vrai que l'année 2020, même avec la Covid-19, l'équipe nationale a terminé aussi l'année invaincue. Elle reste sur une série d'invincibilité. Oui, sur une bonne série, Bonne une série, bonne voilà. dynamique qui a commencé avant même le sacre à la CAN 2019, puisque depuis 2018, 2018, depuis voilà. le match contre le Bénin, retour, Un petit déclic. où Voilà, l'équipe c'était. avait été battue 1-0. Mais sinon, depuis, l'équipe nationale est sur une série de très très bons résultats. Donc, espérons que ça va continuer. Il y a de la possibilité, il y a de la place pour battre le record de l'équipe de Côte d'Ivoire, qui détient cette invincibilité de 26 matchs Oui, on sans n'est plus très défaite. loin. On n'est pas très loin, il reste Inch'Allah. 4 matchs. Je pense que c'est dans les cordes de l'équipe nationale, sans sous-estimer les adversaires. Il reste 2 matchs des éliminatoires de la Au mois de CAN mars, le 22 et 30 2021, mars, les 22 exactement et au mois de 30 mars. mars. Après, en juin,
on enclenche avec le début des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2022 Il au y aura Qatar. deux matchs Alors, officiels en et deux juin, matchs. il y a deux dates FIFA. Donc, il y a la place pour deux matchs officiels. Ça sera les éliminatoires de la Coupe du La Monde Coupe du Monde. et deux matchs amicaux. Donc, il y a de la place pour, on va Pour voir dire, encore l'équipe voilà. nationale et pour que cette équipe nationale puisse battre ce record-là sans qu'elle soit vraiment obsédée par ce. Voilà, il ne faut pas en faire une obsession. Tout à fait. Voilà. On touche du bois, bien sûr. Inch'Allah. Vous qui êtes très, très proche de cette équipe nationale et surtout très au fait des petits, disons, petits secrets de couloir, est-ce que ça se trotte dans la tête des joueurs et surtout du sélectionneur national, cette dynamique de résultat. Non, non, surtout, en horrifique de fait de battre, disons, ce record. Le record. Parce que le record, oh, est-ce qu'il parle vraiment il est dans... je pense que les joueurs, ils en pensent comme ça, mais ils n'en font pas vraiment une obsession. Parce que, vous savez, ce sont des compétiteurs. Et aujourd'hui, avec un sélectionneur comme Djamel Belmadi, qui a inculqué une certaine façon de vivre en équipe nationale, de jouer, d'évoluer, etc. Ce qui fait que les joueurs ont cette soif de toujours bien faire, de toujours prouver qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les champions d'Afrique. Et ça se répète et ça se refait à chaque match, quel que soit l'adversaire. Quand on joue le Mexique ou quand on joue le Zimbabwe, on retrouve la même détermination parce que je pense que le sélectionneur a réussi justement là où peut-être certains n'ont pas pu faire le job, c'est qu'il y a une certaine émulation et cette envie qui est chez tout le monde, y compris les cadres, y compris les anciens, les stars de l'équipe. Tout le monde veut jouer. Tout le monde veut jouer, tout le monde veut prouver, tout le monde veut aller loin parce qu'il y a des objectifs. Et chacun sait que l'intérêt de chacun, il est dans l'intérêt de l'équipe nationale. Surtout que les places sont très très chères maintenant. Et surtout aujourd'hui que les places sont très chères parce que le sélectionneur fait toujours confiance au même noyau qui a été champion d'Afrique. Mais comme on est en sélection nationale, donc il y a toujours des impondérables, il y a des absences, il y a des baisses de forme, il y a des joueurs qui ne peuvent plus rentrer dans l'effectif élargi, d'autres dans l'effectif des 23 joueurs, mais le groupe est toujours là. Et celui qui vient, même les nouveaux qui arrivent, ils se diluent tout de suite dans l'état d'esprit du groupe, dans l'équipe. Et ça, c'est une grosse performance pour la sélection. On peut enchaîner ce matin juste pour demander. Oui, et là, je ne suis pas dans les secrets. Hein, donc non, non, pas des secrets. Mais là, on espère avoir une petite exclusivité, si on veut. Est-ce qu'il y a des nouveaux joueurs ou des nouveaux sélectionnés? On va parler de Amine Gouiri, de l'OGC Nice. Non, sincèrement, je n'ai pas de nom. Ça, c'est vraiment le domaine du sélectionneur. Et comme tout le monde le sait, il a sa façon de gérer, sa façon de faire. C'est quelqu'un qui... Non, est-ce que ces joueurs-là ont fait des démarches auprès de la fédération? Ils ont envoyé leur... Non. Il n'y a aucune démarche officielle auprès de la fédération. Maintenant, ce que fait le sélectionneur, lui et ses adjoints, dans la discrétion la plus totale, ça, c'est autre chose. Ça peut exister. C'est une démarche qui peut exister. Mais pour l'instant, rien n'a filtré. Ce qui est certain, c'est que le Djamel Belmadi a un œil sur tout le monde. C'est quelqu'un qui suit tous les joueurs... D'abord son équipe à lui, son effectif élargi qui est aujourd'hui autour de 45 à 50 joueurs à peu près. Et puis il n'écarte pas la possibilité d'avoir de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes. Chaque joueur qui peut apporter un plus pour cette équipe, qui peut s'intégrer facilement, qui peut avoir un rôle à jouer dans l'équipe et sur le terrain, il sera toujours le bienvenu. Bon, surtout Belmadi, il insiste beaucoup sur le fait qu'il y a un engagement vers le pays, un engagement pour porter les couleurs nationales. Donc, il privilégie un joueur qui vient, qui fait le pas, comme Delors. Je pense que Belmadi a réglé ça dès le départ, dès son arrivée en équipe nationale. Ceux qui se rappellent un peu sa première sortie médiatique, il avait parlé du fameux S12. S12. Voilà, donc, chacun doit savoir ce qu'il a à faire. Quand quelqu'un veut jouer en équipe nationale, il doit régler un certain nombre de préalables. Après, reste le côté sportif. Ça, c'est le choix du sélectionneur, du technicien. Mais il y a un préalable à faire auprès de la fédération, du pays, c'est-à-dire faire valoir son engagement, son envie ça de... Ça veut dire plus question d'approcher les parents pour essayer d'influencer comme le ça, choix. Ça se faisait avant. Voilà, ouais. C'est ce qui se faisait avant. Bon, on n'est pas là pour faire le procès de ce qui se faisait avant, mais avant, il y avait une certaine démarche. Approche. Oui. Et je pense que Djamel a une meilleure approche et d'ailleurs qui a fait un peu, qui a cessé ce débat de binationaux, de joueurs locaux, de joueurs professionnels.
tout le monde est algérien et chaque Algérien a le droit d'évoluer dans sa propre équipe, dans son équipe nationale et défendre les couleurs de l'équipe nationale. Sans voir d'où il vient, est-ce qu'il est né ici ou pas ici, l'essentiel c'est qu'il y a un Algérien à part entière. Voilà. Le fameux S12, celui qui là, il est éligible à jouer en sélection nationale. Attendez. On peut passer à un autre sujet. Bien sûr. Alors, l'arbitrage, bien sûr, parce que l'arbitrage inamovible, nous avons quand même le meilleur arbitre 2020 qui est algérien, notre ami Mustapha Gourbel, donc ça doit être une certaine satisfaction pour la commission centrale d'arbitrage et la fédération. Ben, tout à fait, ça c'est clair. Quand, en tant qu'Algérien, on voudrait être les meilleurs partout. Donc on est champion d'Afrique avec les seniors. On a un excellent arbitre, on a un trio arbitral là, parce qu'il faut trio, oui, c'est vrai qu'il y a M. Ichiali qui avait deux Coupes du Monde et plusieurs Coupes d'Afrique, et c'est pratiquement le doyen, hein, parce qu'il reste quand même le plus capé. Et puis il y a Bouabdallah, Omar Bouabdallah, bon, vous savez. Mais on retiendra que c'est d'abord Mustapha Gherbel. Mustapha Gherbel qui est aujourd'hui le meilleur arbitre algérien. C'est le porte-drapeau de notre arbitrage. C'est important d'avoir un arbitre comme ça à ce niveau-là, donc qui a arbitré tout récemment la finale de la Ligue des Champions. Et de fort belle manière, parce qu'il a dignement représenté l'Algérie. Et puis c'est vrai que c'est difficile. Très difficile. Derby Cairote. Oui, l'unanimité dans un derby Cairote, ça c'est pas... Plus efficace. Il a gagné encore des galons, des points. Et puis, ça a toujours un impact sur le reste, sur le football algérien, sur l'arbitrage algérien en particulier, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'illustrent. Ce qui est bien, c'est que il y a beaucoup d'efforts qui sont menés par la Commission fédérale d'arbitrage en faisant la promotion de jeunes arbitres instruits. Parce que si on voit de plus près les statistiques... C'est vrai qu'il y a un niveau d'instruction, voilà, qui, est niveau d'instruction qui est plus élevé. On sent cette émulation chez les arbitres. On a aussi des arbitres femmes qui s'illustrent également, oui, comme Atman, Lamy Atman, qui a été quatrième arbitre récemment. Ouais. Voilà, donc voilà, il y a un travail qui se fait. Je pense que le travail finit toujours par... Oui, en plus, c'est dans la lignée des anciens comme Belaïd Lacar. Évidemment, l'Algérie a toujours enfanté filles, de grands, voilà, grands arbitres. M. Hansal, l'essentiel. Exactement, jusqu'à... récemment Abed Chalef, etc. Tous les arbitres, voilà, quand même algériens ont toujours fait honneur. Alors juste pour clôturer aussi cette page arbitrale, alors le communiqué qui a été pour la désignation des arbitres. Non, pas pour la désignation, non, je parle du communiqué qui fait état de la sanction de l'arbitre Bitam qui a réclamé le rétablissement dans ses droits. Voilà. Oui, bon, ça c'est, je crois que c'est une affaire qui date un peu, hein, qui date de, je pense, de 2014, où cet arbitre assistant FIFA, qui était international, hein, a été sanctionné. Après, bon, il a fait recours, il a couru à droite et à gauche pour avoir une réhabilitation, c'est son droit le plus absolu. Hier, il a été reçu par le secrétaire général de la Fédération algérienne de football et l'avocat de la Fédération, maître Youssef Hamouda. Ce qui ressort, c'est que au niveau de la fédération, il n'y a aucun dossier qui sanctionne cet arbitre-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun PV de réunion qui dit que cet arbitre est sanctionné, ce qu'on lui reproche, il n'y a rien. Ça lui a été fait savoir, quoi. Il y a eu des échanges avec l'intéressé, et puis la fédération a décidé de faire un communiqué là-dessus pour dire que cet arbitre-là n'a pas été sanctionné formellement. Donc, et n'est pas radié du mouvement sportif national. Donc je pense qu'aujourd'hui, Bitam peut réintégrer le monde de l'arbitrage. Bon, il ne peut pas arbitrer sportif, parce qu'il n'a plus l'âge, mais il peut contribuer à travers les séminaires, à travers sa participation de près ou de loin dans la vie de l'arbitrage algérien. Donc il a été juste mis au frigo comme ça. Oui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun document opposable qui dit, qui prouve que cet arbitre-là a été sanctionné, tout simplement. Voilà, donc dossier clos pour notre ami Bitam. Puis bon, l'avenir nous dira quelle suite donner à celle. Alors, on va parler de nos clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Afrique, les quatre clubs engagés. Mais après le jingle de la Coupe d'Afrique, comme ça, on parlera aisément de cette performance des quatre clubs algériens. We'll be right back.
quatre clubs engagés dans la phase qui suit. Donc deux dans le 16e. Oui, 16e bis. 16e bis. Donc c'est le cas du l'Entente de Sétif et de la JS Kabylie, et les deux autres dans la phase des poules de l'EMCA et le CRB. Donc on va dire déjà, c'est une belle performance. Oui, sacrée performance. Et d'abord, on doit les féliciter tous les quatre, parce que ça n'a pas été fait dans la facilité. C'est des clubs qui ont beaucoup souffert pour se qualifier, surtout sur un plan organisationnel, parce que ce n'était pas évident de se déplacer ou de recevoir les adversaires. Partant de Corona, par difficulté de transport, de plan de vol, etc. Plan de vol, c'est... Donc, et puis, ce sont des sacrifices aussi sur le plan financier. Il ne faut pas oublier que nos clubs vivent une crise financière aiguë. Sauf que là, nous avons quand même des clubs qui ont l'habitude, oui. Qui ont c'est l'envie. D'ailleurs, certains ont fait tout un boucan l'été dernier pour exiger à jouer... une compétition africaine. Bon, tant mieux, aujourd'hui ils sont là, ils sont présents. Nous leur souhaitons une bonne continuation, que ce soit pour le Serbius Dead qui est le champion et qui prouve de match en match que c'est un club sur lequel on peut compter dans cette compétition. Il y a le Mouloudia qui n'est pas loin également, qui a joué un adversaire assez solide, hein, en derby maghrébin, et qui fête son centenaire. Ils ont cette ambition de faire bien quelque chose cette année, oui, pourquoi pas gagner un titre. La JSK également, ils ont cette tradition, c'est le club le plus titré sur le plan africain. Et l'Entente de Sétif, c'est le dernier vainqueur de la Ligue des Champions sous sa nouvelle formule. Donc voilà, ça augure, Inch'Allah, une belle... oui, ça c'est une belle saison. Voilà. Allez, on va revenir sur les péripéties. D'abord, avec comment s'est qualifiée la JSK et notre ami Sid Ahmed Bouraïb. Mission accomplie pour les Canaries. Pour la dernière sur le banc de Youssef Bouzidi, les dignes représentants algériens rentrent dans le match tambour battant et ouvrent le score dès la 5e minute de jeu par un lob signé Reda Ben Sayah, déjà buteur lors du match aller. En deuxième mi-temps, le coach apporte quelques changements qui s'avèrent payants, puisqu'après un bon travail de l'omniprésent Ben Sayah sur le côté gauche, il sert sur un plateau en or Oukassi, rentré en jeu quelques minutes auparavant, qui envoie le cuir au fond des filets. Le score aurait pu être bien plus large, n'était-ce la maladresse des attaquants devant la cage. L'arbitre siffle finalement la fin de la partie sur le score de 2-0. D'abord, pour revenir sur le match retour de la JSK, même si la JSK avait déjà pris une sérieuse option avec la victoire au match aller. Donc, puis les deux clubs, le Mouloudia d'Alger et le CRB, c'est vrai que c'était aussi... pas mal engagé, même si pour le Mouloudia d'Alger, ce n'était pas aussi facile que ça. Le récit de notre ami Saïd Fellak. Malgré un arbitrage défavorable, le Mouloudia d'Alger a validé mercredi sa qualification pour la phase des poules de la Ligue des champions d'Afrique, en dépit de sa défaite 1-0 en Tunisie face au CS Sfax en match retour du deuxième tour préliminaire de la compétition. Le but des Tunisiens est intervenu dans le temps additionnel de la première mi-temps sur pénalty. Un pénalty plus que litigieux, sifflé par l'arbitre gambien Bakary Gassama. Cela n'a pas manqué d'irriter les Mouloudéens qui ont longuement contesté cette décision. La victoire 2-0 du match aller permet donc aux Verts et Rouges de se qualifier. L'autre représentant algérien dans cette Ligue des champions africaines, le CR Belouizdad, a assuré lui aussi sa qualification pour la phase des groupes en confirmant à Nairobi face à Gormaya sa large victoire du match aller. Les gars de l'Aqiba, grâce à deux buts signés Sayoud et Belharan en fin de match, se sont imposés sur un score d'un but à deux. Le MCA et le CRB, mais aussi la GSK et l'Entente de Sétif qualifiés en Coupe de la CAF, connaîtront leurs prochains adversaires ce vendredi à l'occasion du tirage au sort qui se tiendra au siège de la CAF au Caire. Voilà, donc demain, le tirage au sort à 13h heure algérienne, donc ça veut dire qu'il y aura... Bon, vous savez, je crois qu'il n'y a pas d'adversaire à tirer ou à chercher, je pense que c'est... À ce niveau-là, non, parce qu'il ne reste que les grosses cylindrées. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Mouloudia et le CRB ne soient pas dans le même groupe. Comme ça, on aura peut-être un peu plus de chances de retrouver les deux équipes
En quart de finale, en Oui, demi-finale, ça c'est en déjà finale. moi, ne pas hésiter. Bon, pour les autres, c'est encore pour la GSK et l'Entente Sétif. Donc C'est c'est l'avant-dernier en tour aller. avant la phase des poules. Donc, peut-être que ça s'amuse. Non, on est en Champions League, on ne choisit pas ses adversaires. Tout à De toute fait. façon, tous les gros cylindrés sont là. Il faut être présent, être prêt physiquement, mentalement pour cette compétition. Vous l'avez dit, mon ami, c'est l'équipe la plus, disons, prête. C'est le CRB, on l'a vu, ils sont déjà en plein pied dans la compétition, suivi peut-être par l'Entente Sétif. Au vu des résultats du championnat, on le dit, il y a le Mouldia d'Alger qui est, disons, de match en match, il est en phase ascendante, et surtout la JSK, quand il s'agit du drapeau national, ils oublient tous leurs problèmes extérieurs, ils font C'est honneur vrai au que c'est pas drapeau. facile, hein, d'abord de qualifier l'équipe, puis de remettre, de L'équipe, jeter avec l'éponge là Mouzidi, ouais. pour Youssef Bouzidis, pour moi. C'est regrettable parce que pour un club comme la JSK, qui a fait un choix comme ça, et je pense que M. Bouzidi a réalisé des résultats. C'est lui qui a un petit peu repris la JSK dans Les une moments situation difficiles, oui, il difficile. faut le dire. Là, il qualifie le club au prochain tour. Bon, ça fait partie un peu du paysage de notre football. Ouais, Ouais, il a c'est toujours dommage. cette casquette de pompier, généralement, Oui, Bouzidi. Je crois même mais qu'il aime bien ce rôle-là. Sauver les même si équipes je crois qu'il ne le choisit pas, dans mais la oui, mais difficulté. là, le rôle, il a été très très rapide, quoi. Il a été très. Enfin, il est Oui, là ça fait depuis quand même même pas. Ouais. un Non, mois, il a quoi. remis en selle pratiquement la JSK qui était mal partie, hein, Oui. on peut le dire. Une équipe qui n'était Oui, pas mais vraiment ça bien préparée. n'arrange pas du coup, sur le plan stabilité de l'équipe, sur le plan du travail, sur le plan À mon avis, pour la continuité, les ça. dirigeants de la JSK ont privilégié l'autre option, c'est-à-dire la vanne pour, disons, son vécu avec le CS Constantine et Et son surtout expérience africain, africaine, like, ouais. parce que c'est quand même quelqu'un qui a Qui une. connaît l'Afrique, mais c'est dommage pour notre homme. Dommage pour Bouzidi, Bouzidi, dommage. espérons J'espère. Ouais. une meilleure réussite pour la JSK, quoi. Alors, le dernier club qui s'est qualifié sans jouer, c'est L'Entente de l'Entente Sétif. de Sétif. L'Entente de Sétif, c'est l'équipe qui est restée invaincue durant l'année 2020 aussi. Tout à fait, oui. Même en. Bon, c'est vrai qu'il y a la Covid, c'est vrai que. Mais ça reste une équipe qui est invaincue en 2020 avec l'effet Cookie et une équipe qui s'est déplacée au Tchad, qui n'a pas joué, qui en est. Bon, on va dire, on va pas revenir sur cet épisode, mais l'Entente Sétif reste une équipe leader, solide leader, qui fait valoir eh bien, ses ambitions-là. Oh, je pense que c'est de tradition que l'Entente de Sétif soit une équipe compétitive et performante. Et puis, je pense que ce qui a arrangé ce club, c'est que lorsqu'ils sont passés par une période difficile, ils se sont rabattus sur leurs jeunes, parce qu'ils ont quand même une bonne assise chez les jeunes. Et Ouais. là, ils ont rebondi, grâce également au travail d'un entraîneur qui a l'air de bien connaître son métier. Et les résultats ont bien suivi, que ce soit en championnat. On l'a déjà vu lors du championnat de la saison dernière, parce qu'ils étaient sur une bonne lancée derrière le CRB Ils en ont compétition. continué, Ils ont c'est continué. J'espère que les problèmes administratifs que connaît le club en ce moment, entre le CSA, etc., n'auront pas d'impact négatif sur Ça n'a l'équipe. pas l'air, hein, parce que bon, c'est vrai Apparemment, pour l'instant, ça n'a pas qu'apparemment ça l'air, n'a pas l'air. On a mais vu que voilà. l'équipe est assez stable et est en train de faire de bons résultats. Et ce qui se passe en dehors, je pense qu'il Ah. est. Tant mieux, on va Oui, dire, parce que. moi je le souhaite. Je souhaite que l'Entente de Sétif poursuive sa dynamique positive. Et on a besoin justement dans le football algérien de tous ces clubs, les grands clubs. Hein. On a quand même, contrairement à d'autres pays qui ont 2, 3, 4 clubs, nous on a une bonne dizaine de clubs, de grands clubs, qui ont une assise populaire, qui ont des traditions, qui ont une histoire, un palmarès, qui peuvent tirer le football algérien vers l'avant. Et tant mieux, puisque plus on est de fous, plus on s'amuse. C'est ça. Allez, on va passer à la Ligue 1 d'abord avec le jingle pour aborder le championnat de première division, comme on dit. Voilà donc la Ligue 1. Bon, ça veut dire qu'on va parler d'abord un petit bilan des 7 premières journées, enfin des 6 premières journées. Mon regard de la fédération sur ce qui s'est passé durant les 6 premières journées. Je pense que c'est
Pour l'instant, c'est positif, puisque les matchs se sont déroulés le plus normalement du monde. Il y a eu quand même respect des protocoles sanitaires, de tous les aspects organisationnels. Il n'y a pas eu beaucoup de protestations par rapport à l'arbitrage. Ça s'est joué dans le fair play. On a vu quand même quelques beaux matchs, des affiches assez inédites. Donc, pourvu que ça dure pour notre championnat. C'est vrai que le public manque, l'ambiance des stades manque, ça c'est le côté négatif un peu de la chose. Mais sinon, le reste, je pense que ça marche bien, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ça a été, il y a beaucoup qui appréhendaient un peu et voyaient un peu mal comment que les choses allaient se dérouler sur un championnat à 38 journées. Je pense que maintenant, on est sur un bon rythme. On est à la 7e journée. C'est vrai que longtemps, on s'est posé sur le choix du système. Parce qu'on avait, comme vous le disiez au début d'émission, on avait voté pour un système de compétition. On s'est retrouvé avec un autre système. Puis 38 journées avec un démarrage fin novembre. 28 novembre. Ouais. C'était pas un pari. Oui, mais ça, c'est le choix des clubs. Hein. Ouais. Ça, c'est le choix des clubs. Il a été respecté. C'est vrai qu'avant le début de championnat, il y a eu quelques clubs qui ont voulu revoir un peu le système. La fédération a demandé à ce qu'il y ait vraiment la majorité qui demande ce changement pour qu'il y ait débat là-dessus. Tout compte fait, il n'y avait que 4 clubs qui se sont manifestés avec un courrier officiel. Donc la fédération est restée sur le format, du moins la Ligue de football professionnel est restée sur le format initial, c'est-à-dire 38 journées. Ça donne la possibilité également au club de faire tourner leur effectif, parce qu'il ne faut pas oublier que nos équipes possèdent une 50aine de joueurs entre l'équipe senior et l'équipe réserve. Donc c'est également une possibilité de donner la chance aux jeunes, et on le voit. On le voit, par exemple, à Bellabès, puisque le club n'arrive pas à avoir ses licences, il fait jouer ce jeune. Et on voit, malgré les résultats, on voit qu'il y a d'excellents jeunes. À Sétif, on le voit. La GSK, Bouzidi a eu le courage de mettre quelques jeunes qui ont fait impression. Donc voilà, moi personnellement, je prends toujours le bon côté de la chose, difficulté, parce que c'est dans la difficulté qu'émergent certaines bonnes choses du football. Voilà, l'autre fait majeur pour moi, c'est les stades. Les stades ont posé problème parce que même s'il n'y a pas de public, le stade pose problème, comme à Constantine. Oui, bon, Constantine, c'est un peu particulier parce que le stade de Chaïd Hamdaoui va être en travaux ou déjà en travaux. Non, les travaux ont déjà commencé. Voilà. J'ai assisté hier à une réunion au ministère de la Jeunesse et des Sports autour des stades qui vont abriter le CHAN en 2023. Et donc là, on a appris l'état d'avancement des travaux dans les différents stades. Et effectivement, le stade de Chaïd Hamdaoui va connaître de grandes opérations de rénovation pour revoir les accès, pour l'installation de caméras, pour reprendre la toiture de la tribune, la siégerie. Parce que la siégerie, par exemple, c'est une réserve suspensive. Hein. Quand un stade n'a pas de siégerie, on ne peut pas recevoir des matchs des sélections nationales ou des matchs officiels. Donc voilà, donc ce qui fait que le CSC s'est rabattu sur le stade de Ben Abdelmalek, Ramadan. Mais apparemment, le stade pose problème. Oui, il pose problème, justement. Et le stade de l'Khroub va devenir le fief de 3 clubs, apparemment, puisque l'AS Khroub et l'Ajoukoufoukine vont arriver pour jouer leur match de championnat. La commission d'audit des stades est bien venue 4 fois à Constantine. La 5e fois, c'était au Khroub. Et bien, notre ami Mohamed Saleh Boussakir était présent lors de la venue de cette commission d'audit. On a tout vérifié. Ou la commission d'homologation va être en rabat. نقدر نقول ما كانش مانع كبير باش ما تكونش مباراة لهنا وخاصة تاني يعني شفنا بلي فيه عدة أبواب ملعب يعني الله يبارك يعني ملعب مليح وخاصة المقابلات الرابطة الأولى بكل
ما يعني بكل ارتياحية، وخاصة يعني دخول لي زوفيسيال الحكام، دخول مراقبي المباراة، دخول الطبيب، دخول الفريقين، يعني عندهم أماكن واسعة، واسعة كبيرة يعني إن شاء الله، يعني ما فيها حتى حرج، ما فيها حتى مشكل. Voilà, donc ça c'est les images du stade du Khroub. Il ne pose aucun problème. Tant mieux, tant mieux. Voilà, et d'ailleurs, il va recevoir sa première rencontre de Ligue 1 pour cette année, bien sûr, parce que eh bien, ce sera ce match demain à 14h30 entre le CS Constantine et la Samaïn Lila. Mais là, mon problème, c'est un problème, c'est vrai qu'il posait toutes les commodités, sauf télévisuel. Oui, parce que non, il faut reconnaître aussi que nos stades ne sont plus aux normes. Hein, et ce sont des ce n'est pas seulement le stade du Khroub. Bien sûr, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons des stades qui sont assez vieux, on les a assez rafistolés. Aujourd'hui, ils ne répondent pas aux normes exigées, aux standards des stades. Vous avez à travers le monde plusieurs exemples où des stades mythiques ont été carrément détruits. Et, on a le vu fameux Maracana stades. A été détruit. Bien sûr, le fameux. Voilà. Wembley. Oui, Wembley, Turin, en Espagne, l'Atlético, en 24 mois, ils ont eu leur stade. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la difficulté économique, les finances ne c'est sont pas... C'est vraiment pas le moment, on va dire. Voilà. Mais on va essayer quand même d'avoir de nouveaux stades, comme Berraki, Oran pratiquement il est terminé. À la faveur des Jeux méditerranéens, eh bien, je pense que... Il sera normalement opérationnel dès cette année. Hein. Donc, d'ailleurs, on fonde de gros espoirs pour que l'équipe nationale puisse jouer au moins un match amical dans ce stade, peut-être au mois de juin ou au mois de septembre, Inch'Allah. Inch'Allah, espérons-le, puisque... ceux qui sont derrière le projet, ils annoncent le mois de mars ou d'avril pour la réception de ce joyau. Ça sera la même chose pour Berraki, pour Douira, pour Tizi Ouzou et pourquoi pas pour d'autres stades. Il y a aussi le stade de Annaba qui va faire Pont-Neuve, Inch'Allah, prochainement. C'est le plus grand stade d'Algérie. Hein. Oui, 80 000. Exactement. 80 000. D'autres stades suivront. Le stade de Mustapha Chaker. En ce moment, il est en travaux. On a eu l'occasion de le visiter il y a deux jours. Il y a plein de choses qui sont refaites. En attendant la grande opération de rénovation, selon le cahier des charges de la CAF. Voilà, donc quand on aura de beaux stades, on aura de beaux spectacles. Et les footballeurs évolueront de bonnes conditions. Et surtout, nos supporters, parce qu'il faut également offrir un minimum de confort à nos supporters pour qu'ils puissent mettre la bonne ambiance. Et voilà, et avoir un football qui peut être un produit vendable. Si demain, une télévision, pour avoir des matchs du championnat d'Algérie, on pourra quand même commercialiser un bon produit qui est le championnat d'Algérie. C'est vrai, c'est dommage que des grands clubs comme l'Entente de City ne possèdent pas un beau stade. C'est... L'Entente avait un projet d'un stade de 40 000 à 50 000 places. Il est là, le projet, mais malheureusement, je pense que pour des raisons financières, c'est gelé. Oui. Espérons qu'un jour, l'Entente, parce que entre même, nous... Même Tizi, hein. C'est le même problème qui se pose. Tizi Ouzou, bon, il y a d'autres problèmes administratifs, parce que il était géré par une entreprise qui aujourd'hui connaît des problèmes, donc il y a des solutions qui vont arriver, mais qui vont peut-être prendre du temps. Berraki, il y a quelques contentieux avec la société chinoise, mais il n'est pas loin d'être quand même finalisé. Mais celui qui est tout près, c'est celui d'Oran. Parce que bon, il y a les Jeux méditerranéens qui pointent le nez. Ça fait peu de stades. Mais à Oran, on va avoir un complexe, parce que ce n'est pas seulement un stade, c'est un complexe avec un excellent terrain en pelouse naturelle, avec un terrain réplique également en gazon naturel, plus un terrain en synthétique. Donc il y a tout un environnement qui va être inauguré pour le bien du football oranais, notamment le MCO, qui demain est appelé à redevenir le grand club d'avant, qui jouera, pourquoi pas, les Coupes d'Afrique. Et ça sera dans un grand stade qui répond aux normes et aux exigences du football moderne. Et ça permettra aussi à l'équipe nationale de voyager un petit peu en Algérie. Ben oui, ça c'est le vœu de tout de la fédération, de sélectionneur national, qui d'ailleurs il a souhaité jouer au stade d'Oran. Il n'est pas très loin de sa ville. Mostaganem, exactement. Et puis l'équipe nationale, c'est l'équipe de tous les Algériens. C'est la sélection de tous les Algériens. Donc, ça serait bien de retrouver un peu
C'est traditionnel. Les bonnes habitudes d'avant où l'équipe nationale jouait à Tlemcen, à Roran, à Constantine. D'ailleurs, la première qualification de notre sélection nationale, elle a eu lieu à Constantine. Oui, c'est Nigeria qu'on n'arrive pas à oublier à Constantine. Exactement. C'était en 81, mois, oui, octobre. 81, octobre 81, oui. C'est... Ça ne nous rajeunit pas. Personne. Oui, mais ça reste des souvenirs impérissables. Impérissables, certainement. Zabir Habdi, bon, on va parler des affiches. L'affiche, bien sûr, il y a deux très belles affiches pour ce week-end. D'abord, Aïn Melila qui se déplace à Ohrou pour rencontrer le CSC. Là, ça est une belle affiche. C'est de belles retrouvailles. C'est des retrouvailles en terrain neutre. On va le dire, parce que c'est à moitié de chemin entre... Non, c'est vrai que le stade du Khroub est beaucoup plus proche de Aïn Melila que de Constantine. Donc, ouais. Ça va faire une belle affiche, surtout qu'Aïn Melila carbure très fort ces dernières journées, avec un staff déjà qui connaît son équipe. Amalani, de son côté, a été pas mal critiqué durant ces dernières semaines, vu les résultats qui n'ont pas été à la hauteur. Avec trois nuls, une victoire et une défaite. C'est vrai que c'était la première défaite, mais elle a eu beaucoup d'impact chez les supporters, surtout les plus chauvins. Donc c'est une équipe en construction. C'est un match à voir, et à suivre avec beaucoup de patience. Bien sûr. Donc alors, notre ami Mohamed, d'abord, Yassine Bouhnef s'est rendu au stade de Aïn Melila, les frères de Men, puisque c'est là où se préparait la bande à notre ami Yaïch. Oui, excellent travail de début de saison, Yaïch, et puis tout son staff, parce qu'il n'est pas seul. Et le travail, il n'y a que le travail pour ramasser de bons fruits. Et c'est ce qu'apparemment est en train de récolter Aïn Melila. Yassine Bouhnef nous est revenu de cet entraînement qu'ils ont effectué au stade des Frères de Men. يعني رغم كل التوصيات كل التوجيهات للاعبين دائما وابدا نصيبوا نقائص اللي ادتنا اخيرا امام شبيبة القبائل الى هزيمه نحاولوا كل مره باش نحسنوا هذوك النقائص هذوك النقاط السلبيه وباش نطوروا والله بعد ما شفنا لقاء تاع شبيبة قسنطينة نظن باللي تنتظرنا مقابلة في القمة وصعبة جدا حيث المنافس قوي جدا وراه يرجع في المستوى رغم يعني الهزيمة تاعو ضد مولودية الجزائر نظن باللي راح تكون صعوبات لكن احنا نتحضروا يعني باش نتأقلموا مع نمط اللعب تاع فريق قسنطينة وان شاء الله المهم والاهم هو تكون مقابلة في القمة على المستوى عن الأذى وباش الناس كامل تكون راضية ان شاء الله النقطة الإيجابية هو أن يعني أرضية ملعب الخروب أحسن من أرضية بن عبد الملك نظن هذا الأمر راح يساعد الفريقين الاثنين إن شاء الله D'un bon derby entre deux clubs voisins qui se connaissent très bien. Un mot sur eux avant d'aller vers le CSC. Non, moi ce qui m'intéresse c'est le contenu. J'aime bien la réaction de Sir Abdelkader Yaïch qui a parlé de rectifier les insuffisances. Il a parlé de la qualité du terrain. C'est ça qui va permettre aux deux équipes de bien évoluer, de faire du spectacle et de présenter un bon football. Et puis, deux équipes qui jouent. Parce que Samuel il a dit que la défaite contre le Mouloudia a peut-être eu son impact chez les supporters, mais chez les joueurs, je pense que ça va leur donner un peu plus de grinta pour aborder le prochain match, pour se rattraper, parce qu'ils n'ont pas été mauvais contre le Mouloudia. C'est vrai que le match a été difficile, mais le CSC est en train de monter en puissance. Quand on voit un peu les matchs, parce qu'il faut analyser tous les matchs du CSC, on voit que M. Amrani est en train de retrouver un peu sa verve qu'il avait lorsqu'il est passé la première fois lors de
de l'année du titre. Et donc, il est en train de reprendre le travail et de mettre une équipe qui monte en puissance de match en match. Et ça, on va le voir au fil des rencontres. Voilà. C'est à peu près ce que dit Potagine. Hein, voilà, c'est pour ça. C'est l'avis d'un connaisseur. Hein. Donc, voilà. Et notre ami Mohamed Salah Boussakel, lui, s'est rendu au stade du Khloub, au stade Abd Hamdani, et pour assister au dernier entraînement du CS Constantine. Course arrière, course avant. On va être course normale, voilà, bien. Hop, voilà. Stop. Et je suis en même temps. Yalla, montée de genoux. Montée de genoux. 1, 2, 1, 2, à chaque fois, je fais la rotation. Ça va. ربما النتائج ما راهيش يعني في المستوى كبير ولكن لما نشوفوا يعني الاداء اللي قدموه امام اتحاد العاصمه ولا امام مديت الجزائر يعني احنا نشوفوا بلي الفريق لو يفوز كما قال يعني الشيخ تاعنا يعني قال يعني لو نفوزوا زوج مقابلات متتاليه تشوفوا وجه اخر تاع الفريق تاع شباب قسنطينه لكل لقاءات يعني لقاءات صعبه وهذا يعني لقاء ديربي لقاء محلي لهذا احنا رانا نحضروا المقابله كما ينبغي وحنا لازم نفوزوا باللقاء يعني حتى باش نعاودوا نرجعوا للمستوى تاعنا ان شاء الله نظن مقابله راح تجمع بين فريقين اللي يتعارفوا مليح في البطوله اللي عادوا من هزيمه مؤخرا نظن المعنويه تاع الفريقين في زوج ماهيش مليحه نتمنى ان شاء الله نكونوا في المستوى نحضروا مليح باش نكونوا بري ان شاء الله للماتش En tout cas, ça sera un match intéressant à suivre entre les deux équipes, parce que même le débat est intéressant. Oui, non, parce que c'est deux équipes qui se construisent. Donc d'un côté, il y a Amarani qui revient au CSC, donc qui essaie de remettre un peu son plan de jeu, son projet de jeu. Et de l'autre côté aussi, il y a Pradiaïch. Donc ce sont deux techniciens algériens qui sont quand même rompus, compétents. Hein. Si on leur laisse le temps... on les laisse tranquilles à travailler, je pense que les résultats continueront à être vraiment... Seul le résultat compte, bien sûr, la victoire appelle des victoires, mais on aime bien travailler après une victoire, parce qu'il y a de la sérénité, il y a du calme autour du club. Ça vous permet de, disons, travailler durant la semaine dans un climat assez serein. C'est ça. On va aller un peu plus rapidement parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Un mot sur un classique du championnat, JSK USMA, ça sera lundi, mais... Bon match ? Très beau match même. Enfin, l'affiche, elle est même, on ne sait pas dans le contenu, mais on espère qu'elle sera aussi belle que les précédentes. Donc, Oui, ben c'est, que ce soit la JSK ou l'USMA, ils nous ont habitués à de belles empoignades. Donc espérons qu'on verra un beau match là également, avec une USMA qui revient après ça. Oui, ben, il faut laisser un peu de temps à la large victoire face à le NED, donc ils reprennent peut-être confiance maintenant. Après la crise qu'il y a eu en interne, oui, avec Antal Yahya, etc. La JSK qui revient avec cette qualification, donc elle a le moral au beau fixe. Donc il faut s'attendre à une belle empoignade entre deux grandes équipes de notre championnat. Allez, on va jeter un coup d'œil d'abord au classement avant cette septième journée. Classement après six journées, d'abord l'Entente Sétif leader avec 16 points à 3 longueurs d'avance sur le Mouloudia d'Alger, suivi par Saoura et l'Assam Aïn Mlila. Donc c'est dire l'excellent début de saison de Aïn Mlila. Dans la deuxième partie du tableau, c'est vrai, il y a des équipes qui n'arrivent pas à démarrer comme l'USM Belabès pour les raisons que l'on disait tout à l'heure. Essentiellement financière. Le Kaba Bojbolirij, là, c'est le groupe qui est un peu perturbé. Le Ned Skigda et Magara, bon, c'est les cinq qui sont un peu à la traîne, mais bon, c'est le début de championnat. Il reste encore. Le chemin est très long. Hein, et très long. Donc il faut ménager sa monture pour arriver. Et aller très loin. Voilà. Mais déjà, on a une idée sur un peu la photographie de ce championnat où les clubs qui sont mieux lotis, ceux qui ont un bon. Très riches, ceux qui sont qui ont les finances également, parce que c'est important. Le nerf de la guerre, voilà, c'est ça. Ouais. Le nerf de la guerre, qui sont. Moi, je voudrais souligner également la présence de la JS Saoura. Oui. C'est un club qui s'est maintenu depuis son accession en Ligue 1. Et régulier aux avant-postes. Il est régulier. Ouais, régulier.
Je voudrais également dire un mot sur le plan administratif des clubs comme la JS Saoura ou l'AS Amlila. C'était les premiers clubs à recevoir. Alors, ils vont recevoir, j'espère, la semaine prochaine. Il y aura 8 ou 9 clubs qui vont recevoir symboliquement leur licence de club professionnel parce qu'ils ont honoré tous les engagements vis-à-vis de la Fédération Algérienne de Football, notamment la direction de contrôle et de gestion des finances. Justement, un mot sur ces... Quels sont les clubs qui restent, disons, qui n'ont pas... Alors, j'ai en tête peut-être les clubs qui ont honoré. Et on a ça, c'est mieux. Reste. Donc, il y a la Saoura, il y a la GS Kabylie, il y a le Paradou, il y a l'AS Amlila. Je crois que le CSC va être dans le lot parce qu'ils avaient juste un problème à régler, c'était avec d'avoir le comité de supporters. Le club amateur. Le Wydad de Tlemcen. Voilà, à peu près 7-8 clubs qui vont avoir leur licence de club professionnel. Pour le reste, il y a 3 ou 4 clubs qui sont assez problématiques, notamment le MCO, l'USM Belabès et le Rapid de Rélizan. Sétif. Alors, Sétif, le Mouloudia, ils ont d'autres situations. C'est beaucoup plus un document qui manque. C'est la convention entre le club sportif amateur et la société par action. C'est quand même un document exigible par la fédération pour obtenir la licence. En gros, je pense que les clubs, il faut les saluer tous parce qu'ils ont fait tous l'effort nécessaire pour se mettre justement en conformité. Pour apporter ce qu'il fallait apporter sur le plan structurel et organisationnel. C'est un premier pas, c'est bien, mais le plus gros reste à faire. Mais Aboud, est-ce que c'est vrai qu'ils risquent de perdre des points s'ils ne sont pas en conformité? Forcément, parce que il y a une date à un moment donné, il faut que les clubs se mettent en conformité, sinon ça ouvrira la porte à toutes les... Alors, si un club ne répond pas, disons... Sincèrement, la fédération ne voudrait pas arriver à cette limite. Et est-ce que vous avez mis une date butoir? Il y a déjà une date butoir pour le 10 janvier. Après, ça sera au cas par cas. Parce que, si un club est vraiment dans l'effort, d'accord, à ce moment-là, on peut l'accompagner. Mais si un club. Qui ne fait rien du tout, à ce moment-là, il doit assumer ses responsabilités. Et les sanctions, c'est une défalcation de points, c'est ça. Je pense que ça peut commencer par d'abord des sanctions pécuniaires, donc financières. Et après, à un moment donné, forcément, ça va arriver à la défalcation de points si le club ne fait pas l'effort nécessaire. Parce que des fois, ce sont des problèmes de personnes, c'est des problèmes de... Ça veut dire que si dans certains clubs, il faut prouver qu'on est capable d'évoluer dans une ligue une professionnelle. C'est ça le plus important. Si on n'a pas les capacités, si on n'a pas la gouvernance, on n'a pas les finances, on n'a pas la gestion qu'il faut pour être en Ligue 1, il vaut mieux laisser sa place à un autre club qui a peut-être les possibilités d'évoluer dans cette Ligue. En attendant à ce que ce professionnalisme en Algérie soit sérieusement pris en charge, parce qu'aujourd'hui, tous les clubs sont dans la difficulté. Et il faut également dire qu'ils ne sont pas dans la même équité. Il y a des clubs qui ont des entreprises derrière eux, et d'autres non. Donc là également, il y a tout un débat, il y a toute une batterie de solutions à entrevoir. Oui, ben ça, les solutions existent entre vous. Je peux vous dire, la Fédération de football a transmis un document à la tutelle, c'est-à-dire au ministère de la Jeunesse et des Sports, il y a quelques mois, dans lequel il y a une photographie, une analyse assez pertinente sur l'état du professionnalisme depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, mais également avec des solutions qui peuvent être des solutions pour notre football, notamment le football d'élite, c'est-à-dire le football professionnel, avec la création d'un fonds de péréquation où on pourrait aider tous les clubs équitablement et après laisser chacun se débrouiller en fonction de sa popularité, de son standing pour attirer d'autres ressources financières. Donc il y a des sociétés commerciales pour vraiment partir de plein pied pour le professionnalisme. Sociétés commerciales dans tout le sens du terme, pas seulement commerciales en façade, mais vraiment une société commerciale qui fait des bénéfices, même si cette société ne peut pas faire du bénéfice parce que c'est pas facile aujourd'hui par rapport à la billetterie, par rapport au sponsoring, etc. Mais au moins, on est des clubs assainis. Des clubs qui sont bien organisés, qui sont bien structurés, qui fonctionnent bien, même s'ils ont des difficultés financières. Parce qu'on peut avoir un club qui a un déficit, mais qui peut être bien géré. En Europe, par exemple, vous pouvez avoir des grands clubs qui ont la bonne santé financière, mais en même temps, ils ont des déficits. Oui.
Et ça n'explique pas. Ça se comble, ça se comble, mais pour peu qu'on travaille, mais, c'est ça. Mais aujourd'hui, quand vous avez des clubs où il n'y a pas, où y a, par exemple, il n'y a pas un conseil d'administration au nord qui n'a pas mis en conformité ses statuts avec la réglementation, qui n'a pas un organigramme fonctionnel. Qui des joueurs qui réclament leur argent, voilà, des litiges, qui a de grosses dettes et qui continuent à recruter. Donc, ça, ce sont des situations pas normales. Donc, il faut mettre le haut là. Il faut amener les clubs justement à se mettre dans le droit chemin, de faire l'effort, pourquoi pas revoir leur masse salariale, par exemple. Aujourd'hui, le Real de Madrid a diminué son budget de 16%. Oui. Pas récemment, et c'est je crois la deuxième ou la troisième diminution en fait depuis le début de la crise du Covid. Bon, c'est pas là, on peut c'est pas comparer, mais c'est les mêmes décisions peuvent être prises pour un club chez nous qui, voilà, parce que on a tendance à vivre au-dessus de nos moyens également. Voilà, il faut pas avoir plus haut que donc il faut être d'abord équitable avec tous les clubs et après laisser faire disons la bonne gouvernance pour chaque club. Voilà, et la bonne gestion, c'est le secret de la réussite. Allez, on va jeter un coup d'œil au programme de ce week-end et puis bien sûr cette journée qui est en trois temps. Le CSC recevra Aïn Lila demain à 14h30. Vous pourrez voir le match sur le petit écran. Nasser de Hussein Day ASO Chlef, ça sera également à 14h30 également sur le petit écran. ZSM Esrik Dassaoura aussi au même horaire. Samedi, alors, il y a le Média qui recevra Tlemcen, Réalizen qui recevra l'US Biskra, Bourgeois Rérij, l'entente de City, Fersen Belabès, Magala, PAC, voilà, une petite erreur, c'est la GS Kabylie qui reçoit le l'USMA, ça sera pour lundi, tout comme le Mouloudia d'Alger. Et contre le Mouloudia d'Oran, ça sera un petit derby quand même entre les deux Mouloudias. Bon, à suivre lundi prochain à partir de 15h, c'est ça. Le Mouloudia contre son ancien entraîneur, Kazoni. Oui, ça serait une belle affiche. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. Voilà, ça c'est le programme. Mais sinon, Monsieur Salah Bey Aboud. Alors, je voudrais juste rectifier un petit... Au départ, vous m'avez présenté en tant que porte-parole de la fédération. Très bien. Je ne suis pas porte-parole de la fédération. Alors. Je ne suis que le chargé, ou plutôt le directeur de la communication de la fédération. Très bien. Et également le directeur du centre de documentation qu'on va peut-être, Inch'Allah, inaugurer dans les semaines à venir. Inch'Allah, j'espère qu'on sera de la présence. Bien sûr, vous serez cordialement invité pour assister à une modeste symbolique cérémonie d'ouverture de ce centre. Alors, un dernier mot avant de nous quitter, parce que quand même, vous avez fait le déplacement d'Alger à Constantine. Pour assister à l'émission, ça je vous en remercie. Puis si vous avez un dernier mot à dire, donc je vous en prie. Non, je souhaite que du bien pour les Algériens, pour cette année 2021, Inch'Allah, que cette pandémie disparaisse de la planète. Comme ça, on retrouvera une vie normale et un football normal. Et surtout, une bonne entame des qualifications de la Coupe du Monde pour notre équipe nationale, parce que ça reste quand même la vitrine, ça reste aussi... disons la symbolique qui apporte beaucoup de bien à notre football. Et on va dire que c'est même la raison de vivre de tout le monde. Parce que bon, je n'irai pas jusque-là, mais disons moi, que... je peux me le permettre. Cette année-là, 2021, en novembre, on saura si notre équipe nationale sera qualifiée. Inch'Allah, sera qualifiée pour une belle Coupe du Monde au Qatar en 2022. Qu'on ne voudrait surtout pas rater pour tout ce que cela comporte comme symbolique. Parce que vraiment, c'est une Coupe du Monde auquel on tient, avec cette dynamique et cette force que l'on a. Et la bande à Belmadi, je pense qu'elle peut aller oui, très mais loin. Cela passera par tous les matchs, qu'il faut jouer à fond. Avec le même sérieux. Il faut préparer convenablement, avec le même sérieux, la même abnégation, la même grinta. Parce qu'il ne faut jamais sous-estimer un adversaire. Jamais. Je pense que c'est la clé de la réussite, parce qu'ils n'ont jamais sous-estimé leur adversaire. Voilà. Merci Samir Hamdi pour nous avoir accompagnés. Il ne reste plus beaucoup de temps. Merci Salah Bey Aboud, parce que c'est aussi le premier numéro de cette année 2021. J'espère bien que nous allons passer une agréable saison sportive, Inch'Allah, en votre compagnie. Merci à Nabil Yagoubi qui a réalisé cette émission et à toute l'équipe qui nous a accompagnés. Bien, j'espère vous retrouver, Inch'Allah, jeudi prochain pour un autre numéro de Sport Weekend. Merci, à très bientôt.